Bonjour tout le monde, c'est Gwenaëlle et bienvenue sur la chaîne Minimal Diamond Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réception AliExpress. Alors j'ai trois articles que j'ai reçus. Voilà, donc un grand, un moyen et on va commencer par le petit. Alors, le petit, je vous avoue, j'ai ouvert par curiosité parce que j'étais très surprise, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir si vite puisque c'est un article que j'ai commandé donc le 10 mars, il était prévu pour la réception le 14 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, donc un petit peu beaucoup en avance. Alors, c'est une petite chose pour le diamond painting. Une petite voiture. Alors, on va regarder ça, on va la déballer. Donc vous voyez, c'est une petite voiture qui a des petits balais en dessous. Et qui normalement, si... Non, bah qui ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, parce qu'elle est déboîtée. Alors, on va la remboîter. Voilà, voilà, remboîter. Donc, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à ça, normalement. Ouais, ça a pas l'air d'être opérationnel leur truc. Normalement, elle est toujours bien montée, ouais. Ça blocouille un petit peu. C'était censé être pour ramasser les diamants, mais ça n'a pas l'air d'être... Ouais, ça tourne déjà plus. Ou alors, marche arrière, ne fonctionne. Bon, ben voilà, et c'est raté. Heureusement, j'ai pas coûté payer très cher. Mais... Ah, ouais. La jonction se fait pas bien avec les roulages ici. Parce que les roues ça va, mais ouais, il y a un petit souci. Bah, ça sort démonté en fait. À moins que ce soit ça. Là, maintenant qu'elle est remontée, est-ce que ça tourne? Non, toujours pas. Ouais, il y a un petit souci au niveau des rouages qui ne collent pas, qui ne vont pas bien ensemble. Bon, bah tant pis. J'aurais eu essayé. Je voulais pas acheter le truc en métal. Électrique. Le petit aspirateur ramasse-miettes. Je verrai si je le trouve un autre jour. En tout cas, la petite voiture, bah, c'était juste mignon. C'est pas grave. Je trouverai bien des volontaires pour m'en débarrasser. Je suppose que les fifouilles vont être ravies. J'en connais une, tout du moins, qui va être contente d'avoir une petite voiture. Raté. Ah, c'est la grosse déception, je l'ai pris. Non, je rigole. On va ouvrir celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que ça doit être des porte-clés que j'ai achetés pour les maîtresses, pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses et Fifi. Donc on va découvrir ça ensemble. Est-ce que c'est bien ça? Eh oui, c'est bien ça. Hop. Donc, ce sont des petits porte-clés. J'enlève le plastique. Donc, nous avons des papillons. Que vous les voyez bien. Nous avons 6 porte-clés. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, celui-là, celui-ci et enfin celui-ci. Donc ces porte-clés, je les ai commandés aussi le 10 mars. Ils sont porte-clés papillons, voilà. Ils étaient à 5,65 € avec les réductions, je les ai payés 5,42 €. Il n'y avait pas de frais de port.
Ils ont été envoyés le 11 mars. La date de livraison était prévue entre le 24 et le 27 mars. Et je les ai reçus donc le 25 mars. Et en soi, pas mal. Hein. Tout a été respecté. Donc, j'ai bien 2, 3, 4. Ah, il me manquerait une chaîne. 2, 4, 6 porte-clés. Bon, s'il manque une chaîne, c'est pas non plus dramatique. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça, c'est pas grave. Je mettrai autre chose. J'en ai deux des chaînes. Donc, ça, c'est pas bien grave. Nous avons le petit toolkit de base avec la barquette, le stylet rose, le mini pancol et des sachets zip. Et on va regarder ensemble les diamants. Même si je les connais déjà, puisque ces porte-clés, je les ai déjà fait pour moi. Je les avais eu en cadeau. J'ai décidé de garder les porte-clés que moi j'avais eu en cadeau et de les refaire pour offrir aux maîtresses parce que c'est simple. Alors, nous avons des strass dorés. Alors là, c'est vraiment doré, doré. Hein. C'est pas brillant, c'est doré. Nous en avons des argentés. Des petits strass rouges brillants. Des bleus avec des petits reflets grisés. Des AB noirs. Des gouttes bleues. Des gouttes roses. Des petits flocons de neige AB. Et des ronds verts. Et pour finir, nous avons ces gros diamants-là. Donc, pour les anciens, il m'en restait. Donc, je vais avoir, je suppose, quelques restes. Enfin, je ne sais pas si ça vient du même vendeur, vu que ce que moi, j'ai fait pour moi, ce sont des cadeaux que j'ai reçus. Donc, ce sera à voir. Alors, on va remettre tout ça dedans. Donc, je mets tout le petit pavé. De toute façon, ils seront faits rapidement, hein, parce que... Je vais pas attendre début juin pour les faire. Je pense que je serai un petit peu occupée avec Baby Chou qui arrivera. Et on va ouvrir celui-ci. Et c'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience et que je suis curieuse de découvrir. J'ai testé un vendeur pour celui-ci. Donc, il est arrivé assez rapidement. Où est-ce qu'il est celui-ci ? Tac, 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 voilà. Donc, c'est chez le vendeur TechWeth Official Store. J'ai déjà acheté chez lui. J'ai payé 13 euros. Enfin, il était à 13,46 € et je l'ai payé 12,92 € avec les réductions. Il a été envoyé le 15 mars. Réception prévue le 28 mars et je l'ai reçu le 26. Donc, bon, c'est un vendeur qu'on voit assez rapidement. Mais bon, j'étais pressée. Et vous allez voir pourquoi. Ouh ! Oh ! Oh ! Regardez-moi ça! Elle est belle, hein? Ah, ça, je m'y attendais pas, par contre! Oh là là, la vache! Une jolie barquette avec des paillettes, puis elle est grande, hein? Regardez! Oh, ah, je suis contente! Et par rapport au giga de ZQSD, ça donne quoi? Ouais, elle est un petit peu plus petite, on va dire. À peine plus petite, non, elle fait à peu près la même taille, c'est juste pas la même forme. Oh, j'adore, elle est magnifique! Rien pour ça. Donc ensuite, nous avons un macaron bleu. Alors, c'est une couleur que j'avais pas. Avec 4 ronds de cire. Oh là là. Oh, c'est chouette. Oh, je suis contente. Voilà, c'est Noël. C'est trop bien. Alors que j'arrive à le refermer. Voilà, je vais vous mettre que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Maintenant. Oh la merveille! Oh qu'il est beau! On découvre un par un. On va aller ici. Oh là là! Oh je suis folle! Oh je suis contente! Donc nous avons ce magnifique stylet. Il est juste à tomber. Oh, je vais recommander chez ce vendeur, c'est obligé. J'adore! Avec, donc nous avons ici un embout simple. Un embout 8, je pense. Nous avons un embout 3, un embout 6 et une petite spatulette. Oh, je suis trop heureuse. Il est juste, allez je vous le remonte, il est waouh. Oh,
J'adore. Je suis fan. Et maintenant, nous allons découvrir ceci. Hop. Oh là là. J'adore. Oui, d'accord, on dirait une gosse. Alors, voici les symboles. Vous voyez, c'est du noir et blanc. Mais ne serait-ce pas un DP mystère? Donc, c'est un DP mystère en 30-40. Donc, hop, le recto est nickel. Non, je viens de voir un truc dans le sachet. C'est... Je peux pas le commander tout de suite, c'est dommage. Alors, on va ouvrir un petit peu les angles. Oula, j'ai enlevé la colle avec. Ah non, non, mais ça va pas être cool. Alors. Voilà. Je le fais jamais. Hein. On va regarder. On va pas regarder beaucoup, mais on va regarder les symboles. Alors, je sais pas si vous allez voir, si va faire le focus. Mais franchement, c'est bien imprimé, c'est très clair. On distingue peut-être une lune ici, je ne sais pas. En fait, je vais pas regarder, je veux pas savoir. Je veux vraiment pas savoir. Ça m'intéresse pas de savoir avant. Je serais pas déçue. Parce que de toute façon, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Sans parler de petites spatulettes. Hein. Ah, je suis heureuse. Il est juste magnifique. Et par rapport au rose que j'avais commandé, moi, il est plus gros. Donc ça, c'est les deux que j'ai eu de chez AliExpress. Il est légèrement plus lourd. Mais waouh, il est trop trop beau, quoi. Je suis heureuse. Heureuse, heureuse, heureuse. Maintenant, on va regarder ça. Parce que, voilà, c'est la première fois que je commande chez lui. Enfin, que je commande chez lui un DP. J'ai déjà commandé chez lui des boîtes à mouchoirs que j'ai faites, que j'ai réalisées pour offrir à Noël. En tout cas, la légende, ça va. Donc, en plus du merveilleux toolkit que j'ai un autre toolkit, les gars, hein. Nous avons donc le toolkit entre guillemets de base avec la petite pince qui pince pas forcément grand chose. Le couteau, on va l'ouvrir, hein. De toute façon, ça restera pas emballé puisque je vais tout ranger avec mes affaires. Avec donc des petits sachets zip, un double pain de colle, pas trop grand, mais on a pas besoin de plus. La pince, bon, celle-ci elle pince pas grand chose, je confirme. Le stylet rose avec un embout 8, je pense, et un embout simple. Et la petite barquette blanche. Mais juste waouh! J'ai l'autre barquette sous les yeux, je ne cherche pas. Et maintenant, donc, notre fiche de suivi. Alors, je vais le pousser parce qu'il roule un peu. Je vais le mettre à côté, voilà. Avec, je pense que vous les voyez d'ici, les symboles. Hein. Donc, la colonne avec les numéros, les symboles, les DMC, la quantité. Et je suppose que ça, c'est le nombre de sachets. Et on va checker tout ça déjà pour commencer. Hein. Alors, c'est écrit très lisiblement sur les sachets. Ce sont donc des diamants carrés, puisque j'ai demandé un diamant carré. Ils m'ont l'air très bien taillés. Donc, du 3846... Oui, bien sûr, je prends le seul crayon qui n'a pas de mine. Hop. Par contre, l'orange, lui, marche. Donc, 3846. J'en ai bien 6, c'est bon. Ça, c'est du 3835. J'en ai un, c'est bon. Du 966. J'en ai un, c'est bon. Du 3864, j'en ai deux. C'est bon. Du
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 3843. C'est parfait. Donc ça va être dans les teintes de bleu. 2, 4, 6, 8, 9 en 3765. De 4 en 3755, 2 en 3750, 2, 4, 6 en 3756, les couleurs sont très belles, 2, 4, 6, 8, 10, 11 en 996. C'est le premier DP dans des dégradés de bleu que je vais avoir à faire. 3 sachets en 376. Non, 3768. Il y a un chiffre qui était effacé. 945, j'en ai 3. Parfait. 938, j'en ai 1. 310, 2, 6, 8, 10, 11, parfait, 934, 1 sachet, 931, 3 sachets, 920, 2 sachets, 3 sachets de 823. 3 sachets de 813. 1 sachet de 898. 5 sachets de 820. 1, 2, 4. Oui, bah oui, hein, on va compter au lieu de faire à l'œil. J'en ai 6. Comme prévu. Oh, du violet, 554, on en a un, 550, on en a un aussi, 518, on en a deux, 4, 436, on en a deux, 2, 4, 5, 413, nous en avons 2. 2 de 371. 3 de 318. 2, 4, 6, 7 de 800. Et c'est un sans faute. Très bien, monsieur le vendeur. J'adore. J'ai tout. Les diamants dans des couleurs qui sont franchement inhabituelles pour moi, mais magnifiques. J'ai un kit de base, j'ai un super méga kit. Donc moi j'ai pris ce... Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai voulu tester ce vendeur, donc je crois qu'on n'a pas le choix de la taille de la toile. On a le choix des diamants, soit c'est des ronds, soit c'est des carrés. Et on a tout le kit comme si on l'avait commandé chez Caturel. La seule différence c'est le prix, on ne paye pas la marque. Donc il faudrait que je teste au plus vite pour voir ce que donnent les diamants. Mais alors quand je vois le kit, le stylet que j'ai eu, je suis juste bluffée. Et je suis plus que ravie. Et honnêtement, je vais recommander chez lui. Les boîtes à mouchoirs que j'ai faites, je n'ai pas eu de manque de diamants sur les boîtes à mouchoirs. Je ne peux pas vous les montrer, je ne faisais pas de vidéo encore, je ne m'étais pas encore lancée. Enfin, je pourrais vous en montrer prochainement puisque je vais en refaire. J'avais pris des lots de 5 boîtes. C'était ça, c'était acheter 3 boîtes, 2 offertes. Ça faisait un lot autour d'une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, j'avais été fan.
Et du coup, j'avais recommandé un deuxième lot. Alors, c'est des toutes petites boîtes à mouchoirs, mais je vous montrerai. Franchement, je n'avais pas été déçue et j'ai passé de très bons moments à les diamanter. Et là, je sens que bah, je vais m'éclater et que franchement, je suis trop trop contente. L'ensemble kit est très chouette. Donc, je vous rappelle le prix de ce kit. Donc, acheté chez le 10 mars chez Vendeur TechWest Official Store. Reçu le 25 mars, donc en 15 jours, ça va. Franchement, ça gère. Il était à 13,46€ et comme c'était une période de promo, ça le faisait. Je l'ai eu à 12,92€. Donc, honnêtement, je regrette pas d'avoir enlevé un autre DP pour prendre celui-ci. Parce que rien que pour le kit, ben voilà, ça vaut le coup, hein, c'est trop chouette. Mais j'avais pas souvenir qu'il y avait la barquette avec. Ça et ça, oui. La barquette, je croyais que c'était une verte. Donc, ben voilà, je suis ravie, ravie, ravie. Et ben, je n'ai qu'une hâte, c'est l'entamer, hein, pour pouvoir tester, voir ce que donne la qualité. Voilà, ma petite vidéo s'arrête ici. Puisque je vais vous en tourner une autre à la suite, hein, mais vous l'aurez... Je pense que vous aurez l'autre avant celle-ci. En attendant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bon, c'est décousu à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Puis j'espère que vous allez vous plaire ici. Hein. N'hésitez pas à activer la cloche pour être mise au courant de toutes les petites vidéos qui vont sortir, petites et grandes. Hein. Plein de nouveautés à prévoir d'ailleurs. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis à très vite. Au revoir.